groupe a commencé dans les années 2007, quand on a fait avec le saxophoniste américain Rudresh Mahantapa cet album qui s'appelle Spider's Dance. On a fait des tournées, on a continué donc toujours à quatre avec Denis Guivarch, Yvan Robillard, Pierre Mangard. Et un peu plus tard, on a fait cet album Smart Grid. Et donc, c'est seulement pour le nouveau projet qu'on invite le super musicien tromboniste Johan Blanc. Je ne peux pas m'empêcher de revenir régulièrement vers ce groupe qui est complètement acoustique, un format jazz acoustique, musique instrumentale. C'est toujours un mode d'expression auquel je tiens. Et puis il y a cette complicité, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on se retrouve pour jouer, je suis toujours surpris à quel point une espèce de flamboyance dans l'interaction qui démarre au quart de tour. C'est de la musique à improviser, c'est-à-dire que j'amène des compositions que j'essaye de rendre aussi légères que possible, mais avec tout un contenu de jeux polyrythmiques, de pistes, de couleurs, de choses comme ça, qui nous permettent d'échanger dans l'improvisation. Des leviers aussi que chacun d'entre nous peut actionner quand il veut. Alors ça fait basculer la musique dans un autre horizon. Et c'est ça qui fait aussi que chaque concert est différent. L'improvisation, en fait, ça part tout seul. Et je me retrouve souvent dans le rôle du contrebassiste qui conduit le camion. C'est-à-dire, le contrebassiste, il va fournir une bonne assise colorée, charpentée, rebondissante. Et c'est ça qui fait que tout ce qui se passe au-dessus, ça va bien se passer. Mais j'aime bien conduire le camion.